C'est la musique de Beavis et Butthead. Pour ceux qui connaissent pas, un vieux dessin animé. Disons relativement pour adultes parce que c'est dégueulasse, mais c'était excellent. C'était de... un truc dans les années 90 quoi, un truc pas possible qui passait sur MTV. Et qui se foutait de la gueule de MTV, bref, c'était excellent, c'était débile. J'adore. Et salut Pradius. Salut Imaginaire. Hâte le temps. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. Pour ceux qui ont suivi sur le Discord hier, je me suis pété le dos. Apparemment ça avait fait un gros crack. Je pouvais difficilement bouger le dos. C'est pour ça que j'avais pas streamé. Petit coup de blanc. Pour l'instant là, je suis à la bière. Mais ouais, je m'étais complètement pété le dos. Aujourd'hui ça va mieux. J'arrive à faire quelques mouvements et rotations simples. Puis j'ai pu aller faire les courses et porter un sac avec des choses à l'intérieur. Attendez, faut juste que je me retrouve une position relativement agréable. Voilà. Et donc, c'est tout bon, le stream ça a l'air. Du coup, continuer. Je sais plus où je m'étais arrêté, j'ai joué deux trois fois. Bon allez, je vais aller là. J'ai suivi des conseils donnés par Melon. Donc du coup, ça m'a permis de mettre à jour mon jeu, installer le DLC, avoir, j'ai l'impression, des meilleurs... Salut Turcom. J'ai l'impression d'avoir un meilleur framerate. Crois-moi, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré une pas. Aussi, deux secondes, j'ai pas remarqué, mais j'avais oublié... On va éviter de se faire électrocuter. J'ai oublié d'enclencher le Baldurosaur. Deux petites secondes. Allez. Et salut la hyène. Attendez juste deux secondes. Faut que je lance mon bot. Je suis à vous tout de suite. C'est quand même pratique de l'avoir. Allez, lance-toi, mon... Oh. Mon ordi devient tellement lent, j'espère que ça fait pas des trucs dégueux sur le stream. Dites-moi si c'est le cas, ça devrait pas durer longtemps. Mais ouais, il est terriblement ralenti. Il est terriblement ralenti. Oh non, tu vas pas me faire d'update maintenant. C'est déjà suffisamment lent comme ça. Oh mon dieu, il a du mal! Ouais, j'ai l'impression qu'il a mal au dos. Hein. Ah ouais, merde. Oh putain, imaginaire, ben... Moi, normalement, d'ici une semaine, mon dos, il devrait être de nouveau nickel. Déjà, maintenant, je peux encore survivre, donc ça va, donc... Ça ira, mais putain... Faire des dégâts au dos comme ça, c'est pas très pratique. Normalement, il devrait être là, maintenant, le bot. Voilà. Hop, hop, on enlève le BRB et on est prêt à foutre le camp. Ouais, j'ai le mode empreinte. Boum. Comme quoi, il y a encore pas mal d'endroits où je suis pas allé, où j'ai même pas essayé de passer. Genre là, j'irai une fois. Mais en attendant, on va aller, je ne sais pas du tout où. Est-ce que j'étais en train de faire quelque chose la dernière fois? Ah oui, j'étais en train de faire des trucs ici. J'allais faire le combat. Sauf que j'avais pas du tout envie. Parce que c'était déjà tard. Ce qu'on va faire, c'est aller au village Cocorico. Ah, j'ai dit... Non, je m'en fous de ça. Non, arrête. Voilà. Entre autres. Je cherche toujours des pommes. Non, moi le pire que j'ai eu avec mes doigts c'était pas vraiment m'en couper, hein, même faire une quand même grosse coupure avec un... Comment? Cutter.
contre, c'était sur la phalange, la première, enfin la grande quoi. La plus proche de la paume. Et puis, je sais pas, ça doit être un endroit où il y a spécialement peu de terminaisons nerveuses. Donc du coup, sur le moment, j'avais rien senti. Je me suis rendu compte une dizaine de secondes après que j'étais en train de pisser le sang. En plus, c'était pendant que j'étais en train de faire du modélisme. Ah ouais, j'en ai une pétée là, en fait. Je vais prendre un cœur en plus et un machin d'énergie. Oui, fantastique. Donne le truc. Donne le truc. Oui. Très bien. Oui, je veux plus d'endurance. Ouais, moi c'était quand je devais avoir quoi. 12-13 ans, je faisais des Warhammer. Waouh, lourd ça, la hyène. Moi, c'est ma mère qui a eu une hernie discale. J'ai pu voir ça. C'était vraiment pas classe. Ah ouais, du bout de ton pied jusqu'au genou côté gauche, ça c'est lourd. Est-ce que j'ai autre chose que je veux faire? Oui. Je veux aller dans la forêt des bons hommes, là. Parce qu'il me semble que j'ai pas mal de pétoles de Korogu à utiliser. Non, moi ça va, hier quand je me suis bien fait mal au dos, j'ai dû m'éclater un nerf ou bien péter un disque ou quelque chose. Mais ça va. Comme je disais, j'arrive gentiment à faire des nouveaux mouvements. Et j'en ai effectivement une pétée de ces trucs. Pour commencer, des armes. Pour 5, il est greedy! Ouais, bah j'ai encore pas chopé de masque Korogu. Excellente question, j'en suis à combien d'heures à peu près? C'est une très bonne question. Ça doit être autour de mon 10e stream dessus. Avec une... une moyenne de... quoi, 2h, 2h30 par stream. Je peux encore un coup les arcs? Ouais, pour 5. T'as pété. Et ouais, là je vais bientôt commencer mon 3e donjon. Bonne 25 à peu près, ouais. Puis je le stream beaucoup plus que ce que je pensais à la base. À la base, je comptais pas faire des streams entiers dessus. Maintenant, je fais quasi que ça, mais en même temps, j'adore. C'est vraiment... j'adore ce jeu, quoi. Pour ceux qui débarqueraient, c'est une version émulée. Sur un PC, malgré ce que disent certains, relativement moyen. Par rapport au standard gaming d'aujourd'hui, donc. Alors, on va éviter de prendre des trucs qui flambent. Pour ça. Surtout, on va remettre. Voilà. C'est parfait.
C'est ça, combinaison de CRS. Ou Link, s'il te plaît. Ou homme four. Homme four à pain. Ah, ça c'est sûr, mais ça c'est pour tous les jeux en général, quoi. C'est pour ça que j'adore streamer ou aller regarder des streams quand j'en ai l'occasion. Simplement pouvoir, ouais, partager une expérience ou bien parler de certains jeux avec des gens. Non, c'est vraiment tout pour la bonne ambiance. Traversons vite le pont. Oui. C'est bon, il me resuit. C'est bon. Attends, prends garde aux éclaireurs. Ces nouveaux, ils vont alerter Rudania qui va forcer la montagne de la mort à entrer en éruption. Moi, je me déplace selon tes sifflements, alors essaye de faire en sorte que les éclaireurs ne nous repèrent pas. Sa voix, on l'a pas beaucoup entendue, malheureusement. On a seulement eu une seule cinématique avec lui. En train de parler, sinon c'est juste des onomatopées, quoi. Quand même pas venir jusqu'ici, ou bien. Non. Il se barre, on va pouvoir aller là-dessous. Vite! Vite! Je crois qu'on est caché en dessous. Non mais les péter, c'est terriblement long! Mais effectivement, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ok! Ouais! Je vais essayer de le buter, mais il me semble que quand j'avais essayé, caisse en métal sur les hauteurs. Ah! Attends, est-ce qu'il vient jusqu'ici? Je suis arrêté à un bon endroit. Ça me rappelle, ouais, quelque chose que j'avais vu quand j'avais regardé des streams dessus, ouais. Pour balancer des trucs en métal dessus, ça marche. Mais là, en l'occurrence, il me semble pas qu'il y en ait. On peut pas simplement faire des... ça? Ouais, c'est un peu faiblard. J'ai seulement une flèche antique. En même temps, c'est pas le meilleur que j'ai, mais... Sinon, j'aurais pas grand-chose, hein. Dès qu'il retourne vers là-bas... Oups. Partir en avant, essayer de trouver des caisses. Ouais, voilà. D'abord... Récupérer des choses. Ouais. Il y a des ça. Mais ça, c'est pas ce qu'il faut. Ça, il va. Ouais. Ouais, non, mais pour ça, il faut. Faut. Ouais, voilà, évidemment. Là, je l'ai lancé trop loin. Faut vraiment viser, mais comment cingler avec ça?
pas non plus faire ça. Ah, on peut les figer eux. Ils sont au-dessus, 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 ou bien monter le chemin? Je vais regarder ça. C'est vrai que ça risque de rendre ça. Plus simple que de se la jouer Metal Gear. On va de nouveau des comme ça. Passer à côté de ceux-là. Voilà, ça c'est des thunes. Ça, ce serait un peu plus simple de lui envoyer dessus. Il me semble. Ah bah non, il est stationnaire. Juste faire ça. Non. Ok. Semble aller trop haut ou pas au bon endroit. Voilà, des glitches dans la lave, ça on s'est habitué depuis. Non, pour lui, il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression. Hein. Soit des pierres ou des caisses. Oh, oh, c'était nul. Ah, je m'attendais à clairement mieux en fait. Allez. Réfléchissons. Ah, d'accord. C'est bien ce que je me disais. Bon, on va récupérer Bonobo. Compris. Ouais. Compris, ouais, on fait ça, ouais. Ok, Link. Fais moins de bruit, Bonobo. Allez, oust ! Va-t'en ! Wow. Ici, normalement, avoir une seule... Enfin, non seulement deux parties de la tenue, ça aurait été suffisant, ou bien j'ai bien fait d'acheter le set complet. Ok. Bon, j'imagine que il a envie que je l'envoie contre le contre la bête. Trop bien. La tenue complète. Nice. Bien fait alors. Même pas mal. Touché, continuons comme ça, Erudania fera moins le malin. Et ouais, on fait ça. D'abord. On va pouvoir désinguer ces trucs-là. Non ? On peut pas les utiliser comme les canons du... D'accord. Thank you.
Oups! Ouais, j'ai encore quand même 2-3 fois des lancers dans le dos. Ah là, les fameuses. Allez. Ils sont à quelle distance? Non mais... Voilà, quand même. Plunk. Non mais j'ai vraiment du mal avec les distances dans ce jeu quoi. Dans beaucoup de jeux, j'ai du mal avec les distances. Ah, j'arrive pas assez loin. Pourtant, je suis pas loin, hein. Non, il voudra pas atterrir où il faut. Oh. Ah ouais, d'accord, normalement là, faut couvrir ici. Exactement comme j'ai pas fait. Oh non, faut pas que je rie comme ça, ça me fait mal. Et évidemment, il n'y a pas moyen de le tourner. Donc ouais, normalement là, faut se la jouer Metal Gear comme ça et passer en dessous. Malin! Bah. Voilà. On va rechercher Bonobo. Vraiment, mais sa voix, quoi, c'est pas du tout une voix de Goron. Ça le rend rigolo, je déteste pas, loin de là. Mais c'est pas une voix de Goron, quoi. Ouais, il gère. Et c'est pas resté. C'est bien. Bah, une voix de Goron serait une voix comme celle de... comment il s'appelle ? Daruk ? Ou en tout cas quelque chose d'un peu plus. Oups. Oups. Un peu plus. Eh oui, mon garçon, tu vas. Oui, oui. Bon, d'un autre côté, c'est un des rares Gorons plus ou moins adolescents qu'on ait pu voir dans un Zelda, un des rares donc. Salut Michel.
C'est parti. Sinon, il y avait des enfants gorons, là, c'est normal, je pense qu'ils ont une voix un peu plus... Non, voilà. Un peu plus de gamin, quoi, mais bon, de là avoir une voix comme lui, ça fait vraiment bizarre. Mais je veux dire, sinon, c'était vraiment des tout gamins, comme dans Ocarina of Time. Donc, celui qui a le même nom que Link. Ouais, je vois ça, bah bienvenue. Marteau en fer, bien. Mais ouais, c'est tout à fait ça, moi, que comme j'imagine les voix de Goron, c'est vraiment des... comme ça. Mais en moins débile, donc ouais. Ou Renault vieux. Mais ouais, comme bébé Goron, il y a le bébé dans Majora's Mask là qui arrête pas de chialer avec. Exactement, toute la fumée qui respire tout le temps. On a fait mouche. Vraiment pas mal avec le bouclier de Daruk. Mon aïeul était vraiment extraordinaire. Si on continue à l'affaiblir, tu pourras sûrement monter à bord. Allez, on y est presque. Allez, c'est parti, Link. Partons pour une aventure. Quoi? Ah, sinon c'est juste lui parler. Je croyais qu'il y avait une vraie action à faire avec. J'aurais encore pas vu. Reste là. Puis dans la lave, il rajoute un petit peu de herbe spéciale. Korogu. Pour ça qu'après, ils sont persuadés de pouvoir manger des cailloux. Eh merde! Mais ouais, mais tu sais, ça ferait presque en espèce de jeune Goron adolescent rebelle. Ah, ok, non, là, j'ai compris ce qu'il faut faire. Je crois. Faudrait réussir à, ouais, monter là-haut, puis balancer une bombe. Pétole de Korogu. Toi, tu fumes ça. Ouais. J'ai une idée. Et si on bouffait des cailloux, mec? Ah ouais, il ferait presque ado rebelle. Mais bon, avec sa bouille de bébé comme ça, il a vraiment pas l'air méchant. Après, effectivement, peut-être que dans sa chambre, il a des posters, des Sex Pistols et des Ramones. Ok, depuis là... Ça devrait être pas mal. Ok, depuis là, c'était pas mal. Il s'injecte de la lave dans les... Dans les veines. C'est comme le... Cette pseudo-drogue russe, le crocodile. Je vais direct buter ceux d'en dessus aussi, pendant que j'y suis. Le truc, c'est quasiment du pétrole. Pétrole pur. Tu t'en injectes une fois, après t'as la... Tu perds tes membres les uns après les autres. Allez! Eh, pas touché en sol. Déçu.
comment je vais les gérer, ceux-là? De la même manière, je pense, hein. Je veux pas trop perdre d'endurance, faire un minimum gaffe. Pas envie de mettre mon... Comment, bandana de grimpe là. Ok, c'est pas bon du tout. C'était beaucoup plus loin que je pensais. Perspective Y. C'est quoi pour un nuage? Ok, j'ai meilleur temps de directement les viser eux plutôt que d'essayer de les faire prendre là-dedans. Pas du tout sur lui, mais j'arrive pas. La perspective là, elle est bourrée. Et non, je ne suis pas bourré. Voilà. Non. Voilà. Voilà. Il n'y en a pas d'autres dans le coin. J'aurais pu faire ça beaucoup plus simplement, tant pis. Récupérer le bonobo, je vais juste faire un test avec le balle de rosor, voir s'il est effectivement arrivé. C'est parti. C'est parti. Toi aussi t'es parti, balle de rosor, voilà. Non mais tu as du mal. Ah, il a l'air d'être là, hein. Oh là là, mon PC, il est vraiment en train de mourir. Ouais, il a là, le Baldorosaur. Parfait. Et puis du coup, je disais plus tôt aussi, mais... Oula. Voilà. Les trucs d'extension. Drôle de masque, téléportation. Masque ancien. Le vert trésor des fées. Une d'entre elles était l'habit vert des fées. Ça faudra aussi que je fasse bientôt. Quête du DLC. Quand même faire ça. Oula. Et encore des mobs. Oh putain, il a du mal dans cette zone. Ouais, alors, toi t'es chiant. Arrête! Il vient exprès me cacher la vue. Ah, moi c'est surtout celle de... Arrête! De Tingle dont j'ai envie. Si la tenue de Tingle. Tingle, c'est la vie. Tingle, il me fait pas bugger mon jeu déjà. Ce qui m'aide. Oh waouh! Oh waouh! Voilà.
récupère des trucs, Link. Voilà, avant que ça flambe. Attends. Tant qu'à faire, on a de la place. Eh bien, celle des fées, ouais, ben. Vu le nom, c'est aussi ce que je pensais. 9e palier. Ah, là, il va falloir viser quand il arrive au milieu, il me semble. C'est ça. Ah non, même pas. Je croyais qu'il y avait une histoire comme ça. Ah non, mais c'est... Kululinpa, Kululinpa. C'est donc un truc que j'avais déjà fait avant. Dans une autre pseudo-énigme de cette zone. Oh la vache, il a du mal, ça c'est les shaders. Les trucs que normalement j'avais déjà. Et qui ont décidé de pas se transférer quand j'ai mis le jeu à jour. Toute une histoire. Mais c'est surtout la tenue de Tingle, c'est collector. Meilleur truc au monde. Ouais, par contre, là, les lags, on pourrait faire sans. Oui. C'est bon, on a réussi à le faire fuir vers le cratère. Link, c'est le moment d'y aller. Vas-y, saute. Voilà, en plus, ça m'a permis d'aller checker qu'il y avait effectivement le choix de qualité sur le stream, et c'est le cas, donc je suis très content. C'est ça. Allez, Link! Moi, j'ai la protection de mon ancêtre, où je peux me prendre tous les coups que je veux, et puis je ressens rien. Toi, vas-y, saute dans la lave! Trou du cul d'humain. Hey, salut, petit gars. Voilà. Ça fait un bail, pas vrai? Ça, c'est de la voix de Goron. Je savais bien que tu viendrais. J'en étais sûr. Désolé si vous n'entendez pas des masses. Je parie que t'es venu reprendre Rudania à Ganon. À Ganon. Écoute bien. Le premier truc à faire, c'est trouver la carte de la créature divine. Toutes les informations de la carte sont consignées dans cette pierre guide. C'est là où tu dois aller. D'accord. Comme je disais, il me manque encore quelques années de cigare et de whisky avant de réussir à bien faire sa voix. Lumière! Allez, viser. Encore une fois, j'ai pas de gyroscope. Le truc dont j'aurais besoin. Pas de place. Bon, en même temps, voilà, dès comme ça, j'en ai trop. Allez, boost. Oups. C'est bien d'avoir une torche. Mais ce serait mieux d'avoir du feu. Non, là. Et j'ai pas de truc enflammé. Bon, va falloir que je fasse du feu. Ça, il me faut du bois et du flint.
poser. Utiliser un truc relativement quelconque. En acier. Et aller dedans comme ça en flambe, c'est toujours une très très bonne idée. Voilà. Les flambeaux bleus, il y avait des flambeaux bleus, j'ai pas fait gaffe. Ah oh, bien Y, ouais, malin. Flambeau bleu. Voilà, j'ai gaspillé un de flint. Ils étaient où maintenant? Il y en a un là. Gaspillé un de flint et un de bois. Ouais, alors je voulais utiliser le bouclier, tant pis. Oh, mais non. Pas un autre flambeau quelque part. Là. Un arc en plus. Bouffer en quelque chose. J'avais pas fait plus ou j'ai déjà tout bouffé? Fuck. Bon. Voilà, comme ça on a de la résistance au froid, c'est parfait. Ah. La gougoute. La gougoute. Mal de dos. Parfait. Est-ce que je peux y voir quelque chose maintenant? T'as réussi à choper la carte de la créature divine? Super. Super! Alors regarde-la bien. Les trucs qui brillent, là, c'est les terminaux de contrôle. À toi de tous les activer. Y a que comme ça qu'on pourra reprendre le contrôle de Rudania. Ok. Je sais que tu ne te sauveras pas, petit gars. Ah, bien. La lumière. Donc, là, il y avait encore une saloperie là-haut. Et une là, d'ailleurs. Ou quelque chose? Bah oui. Mais deux, mais c'est Noël. Des flèches, tant mieux. Ok, encore un œil là-bas. Et des flèches. Oh. Et... c'est machin. Parfait. Ferris bidule, il y en a encore un. Ça a quand même encore bien gardé le... Ah. Encore bien gardé le... comment... L'héritage, disons, des... des énigmes Zelda. Des jeux d'avant où on t'offre... les items dont t'as besoin. Au moment où t'en as besoin. En l'occurrence ici des flèches. Ou sinon suivant comment, si t'as besoin de balancer des rochers, ils te filent une masse. Des machins comme ça. Plus que 4 terminaux de contrôle.
Tu tiens le bon bout. Donc pour servir plus ou moins de... Comment dire, d'aide, pour savoir ce que tu devras faire, je me rappelle toujours dans les donjons d'Ocarina of Time. On va de toute façon te donner un... Ah, flèche de glace, bien. On va de toute façon te donner des bombes, quasiment à chaque fois, peut-être à la fin du jeu moins, mais te donner des bombes quand t'auras besoin de bombes. Des flèches quand t'as besoin de flèches. Puis de nouveau, cette musique aussi, c'est pas la première fois que je le dis, ça me fait beaucoup penser aux musiques de Skyward Sword. Ok. Ouais, après c'est pas non plus 100% nécessaire, tu sais, de... d'avoir plus d'emplacement. Donc du coup, comme truc secondaire, c'est loin d'être dérangeant, je trouve. Est-ce que je pourrais faire ça ? Pour péter. Non, faut absolument que ce soit des flèches. Bon endroit. Oui. Ce que tu vas affronter ou bien ce dont tu auras besoin pour une énigme ou quelque chose comme ça. Suivant comment ça aide quand même beaucoup trop, je trouve, de manière générale. Antique, nice. Ah. Mais c'est super pratique quand même. Bon. Ouais. Les glitches, ouais. Les pieds, ouais. Tape du pied. Oh. Où l'œil qui va pour celui-là? Ah ah, là-bas. Parfait. La lave qui bug en gros pixels, j'aime beaucoup. Il reste plus que 3 terminaux de contrôle. Traîne pas. Traîne pas. Non, vraiment, cette musique, on dirait quand même pas mal du Skyward Sword. Ça, je vais pas pouvoir le grimper, hein. Non. Ouais, faudra que je regarde au bout d'un moment, ça. Au bout d'un moment. Non, là, je suis sur... je suis sur PC. Eh, je voulais pas aller aussi loin. Là, c'est de l'émulation de Wii U. Ouais. Super. On va voir un petit peu ce qu'il y a par là, peut-être vers l'avant. Je
Regarde sur la map. Non, là, les trucs dont j'ai besoin, ils sont à l'intérieur. Bon, là, c'est le fameux... La fameuse gousse d'ail. Peut-être un coffre vers l'avant. Ok, ça me rappelle dans la caverne d'Odongo. Oh, j'aime ce jeu. Non, je voulais aller là. Non, non, Link. Bon, utilise ton dernier ravioli. En plus, c'était un arc de chevalier. Juste voir celui-là, il a rien de spécial, hein, non? C'est juste nul. Hop, hop, hop. Ça me paraît essentiel. Nice. Quoi, ça peut pas me permettre de grimper dessus, ça? Chien. Pas un truc sur lequel faut appuyer, non? Tout évidence, pas comme ça. Ça pourra pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'il faut que j'en fasse de ce truc? C'est tourné. Ah oui, c'est sûr, il y a énormément de... Je veux pas dire amélioration, parce que j'adore la formule Zelda de base, en fait, mais... D'accord, retourner... Mais ouais, on voit qu'il évolue avec son temps, et puis je pense que... Je sais pas dans quelle mesure celui-là, il a plus plu que, par exemple, Ocarina of Time 3D, qui au fond est juste en remake, un peu plus... Même pas HD, mais un peu... Légèrement plus HD, disons. Il reste plus que deux terminaux de contrôle. Tu y es presque. Dire par rapport au fait de choper des nouveaux fans pour la série. Moi, j'aurais vraiment, vraiment pas une... Il y a toujours mon feu, là.
J'aurais vraiment pas une vision objective là-dessus. Monde ouvert en plus, oui. En plus. Ah ouais, monde ouvert. Déjà pouvoir sauter, pouvoir grimper partout où on veut presque. C'est le dernier petit gars. Vraiment, ils ont su évoluer avec leur temps, je pense. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en sortir après. Et là-haut, j'imagine... Ouais non mais c'est pas faisable ça. Et bon déjà pas comme ça, ça c'est sûr. Ouais ça c'est sûr d'un côté monde surouvert quoi, je sais pas, c'est... T'as des mondes ouverts à la Elder Scrolls où t'as quand même une quête principale. T'as monde ouvert ça. D'ailleurs maintenant que j'ai basiquement tout vu sur ce jeu quoi. Parce que encore une fois j'en ai vu des streams avant de... Range pas. Non, tu voudras pas comme ça. Si. Parfait. C'est ce que je voulais. Faudra que je regarde le speedrun. Apparemment, c'est hyper impressionnant. Sers-toi de marrage quand tu veux. C'est ce que je veux, Ravioli. Donne-moi pas des ordres. Ah, moi, y a un type que je connais qui en faisait en temps. Speedrun, voilà. Mais ouais, moins d'une heure, c'est balayé quoi, c'est incroyable. T'as activé tous les terminaux de contrôle. Il te reste plus qu'à actionner l'unité principale. Tu vois le gros truc qui brille sur ta carte? Eh ben c'est là. Mais relâche pas ta garde pour autant, petit gars. Ouais. Parce que là, il va falloir... parler à la gousse d'ail. Et combattre une saloperie.
Ouais, ça, moi ça m'a pris même encore plus de temps. Bon, entre autres parce que je m'amusais à... Bon, on va pour ça, on s'en fout pour l'instant. Parce que je m'amusais beaucoup à explorer quoi, mais aussi parce que... Ce qui m'a le plus emmerdé en fait dans le tuto avec les 4 premiers sanctuaires, c'était de cuisiner mon fameux machin pour lutter contre le froid. Ou de trouver le bout d'armure, je sais plus exactement ce qu'il fallait. Ok. Troisième boss. Merci. Il va falloir que je trouve la technique. Ombre de feu de Ganon. Ganon qui a créé cette bestiole. J'ai peut-être pas réussi à lui faire sa fête il y a 100 ans, mais avec toi, ça va pas être la même. Voilà. Refais-lui le portrait, tiens. Lui, il est bro. Garde un œil sur son épée. Ok, j'ai essayé de... Wow. Voilà. Oui. Attendez, j'ai un truc avec mon... Voilà. Ouais, c'est pas vraiment des bonnes recettes, mais on va faire avec ce qu'on a. Je vais mourir. Ah, c'est quoi le truc le plus puissant que j'ai? C'est ce speed-là. Hein. Ah, mais du coup, avec ça, en fait, je peux pas... Bon alors. Non. Je te protégerai. Non mais j'en avais fait mais il y a trop longtemps en fait, c'est ça. Et j'ai essayé de sauter en arrière, je sais pas pourquoi il a pas voulu. J'ai réessayé, il a pas voulu. Allez, crève. T'as même pas idée. Et où? Ah, voilà. Oh waouh, mais il est... Putain, il fait mal. Bon, Link est mort. Bon, il m'a remis à cet endroit. Garde un œil sur son épée. Ouais, si je remords, je fais ça. T'es pas temps, petit gars. J'ai de glace. Bien vu. Ah non, attends, déjà ça. J'avoue que j'y avais même pas pensé.
reculer dans l'autre lève, faire ça. Ouais. Pas mal, hein. Maintenant quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il est trop... Tahiti. Tu sais qu'en plus, maintenant, je suis en train de me refaire la série des Simpsons. Wouah! Je te protégerai. Sauf que je suis en train de m'y refaire en anglais. Voilà, deuxième phase. Oulala. Attention à ces boules de feu. D'accord. Ok, ça il s'en fout complètement. Il aspire des bombes. Ah, nice. Merci, j'aurais pas pensé tout de suite. Bon, maintenant c'est peut-être un peu tard. Ouais, alors, plus rapide, Link. Non! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Ping-pong? Ping-pong? À la Ganon? Non. Pas ping-pong à la Ganon. Ouais. Comment? J'ai essayé de retourner en arrière, il a pas voulu. Mange des pommes. J'ai des pommes. Mange les pommes. Et en radis. Un peu dommage. J'ai pas envie qu'il me one shot, ce serait vraiment trop con. Et salut Coco. Comment vas-tu, X? Je prends le miel. Tiga! Et...
fils de pute. Ça aurait dû marcher. Et maintenant j'ai bien la technique. Maintenant ça ira. Maintenant tout ira bien. Tranquille, comme je disais avant sur le Discord. Mon dos va mieux. Ouais, alors prochaine fois tu fais ce que je te demande avec... Mes doigts. Putain. Je te protégerai. J'ai peu de soignage en fait. Bon, ok, t'as annulé, c'est pas grave, Link, mais... C'est juste hyper casse-couille. Yeah, mais fais ce que je te demande avec mes doigts, c'est pas vrai ça. Coucou Bravel. Allez. Légèrement, c'est encore loin d'être parfait le dos. Hein. C'est clairement mieux qu'avant. J'arrive à faire des rotations de quelques degrés dans tous les sens, c'est juste parfait. Comme amélioration. Attention à ces boutons. Ah, merci pour le host, Michel le Chou. Est-ce que c'est Mich le Chou ou Michel Echou? Dis-moi tout. Sans que je dise pas de conneries. Est-ce que t'aspires là? T'aspires pas. Ouh. Quoi? Ah! Maintenant t'aspires, non, vite! Avant que ce soit trop tard! Voilà. Ok, c'est dans le jeu, les crépitements. Putain, c'est quoi qui fait ça? Ah, c'est désagréable. Désolé pour les sons désagréables. Ça va peut-être pas durer, ça va durer. Comment je peux faire ça? C'est la première fois que ça arrive. C'est... Crépitement de la lave, tu crois? Pour ceux qui ont joué au jeu, qu'est-ce qui se passe si je sauvegarde maintenant, que je quitte et puis que je reviens dedans? Il va me remettre au début du combat, non? J'ai beau être sur EMU, on n'a pas de safe state. L'entrée du donjon, pas grave, continue. Vous êtes sûr? Je vais... Je pourrais enlever le son si vous voulez. Qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce que j'enlève le son pour vous?
Ou est-ce que je le mets juste extrêmement bas? Vous baissez le son, ouais. Je vais faire ça. Hop. Vous entendrez peut-être un tout petit peu. Mais ça devrait aller. C'est juste mes oreilles que ça va péter maintenant. J'espère juste que ça vaudra la peine, que je vais pouvoir lui casser la gueule. Non, 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 c'est bon, c'est bon. J'ai baissé pour vous. Vous ne devriez plus entendre grand-chose du jeu, juste ma magnifique voix en train de casser. Et c'est reparti. C'est nouveau bon. Je crois, à peu près. Oh, en plein au-dessus, quoi. Non, mais ma voix, elle pourrait se mettre à bugger. Encore une fois, Link, fais ce que je te demande avec mes doigts. Du coup, maintenant, c'est un peu moins fort qu'avant. Allez. Tout ce que je veux, c'est pouvoir mettre fin à tes jours. Saloperie. C'est vraiment bizarre que ça ait duré si peu longtemps. On y est presque. On y est presque. Maintenant, plus qu'une. Et oui. Merci. Voilà. Première fois qu'on peut voir en stream, j'imagine, cette cinématique avec 44 FPS. Non, 45. Ça, c'est ma récompense. Et ouais. Et ouais. Ouais, une vraie voix de Goron. Allez. Allez, Daruk. Une fois l'unité principale activée, ce sera impossible. Gna gna gna. Mais oui. Au pire, j'ai oublié quoi. Un coffret de mise, pas grave. Fluidité, ça marche bien. Bien joué, tu as. Oh ouais. J'ai 150 ans. Tu es vraiment un champion. Tu as libéré mon âme, je t'en dois une. Merci à toi. Je suis vraiment désolé. Je me suis fait ratatiner par cette saleté de vermine en laissant Hyrule sans défense. À cause de moi, t'en as vu de toutes les couleurs, Tiga. Oublions ça. Pardon. Le petit Rodania a finalement retrouvé ses esprits. On va pouvoir reprendre le boulot là où on l'avait laissé. Cette fois, pas question d'échouer. Maintenant, je me charge de l'amener à sa place et de tout préparer pour tirer sur Ganon. Comme ça, quand tu seras prêt à l'affronter au château, on sera là pour le feu d'artifice. Oh ouais. Ah, j'allais oublier mon pouvoir spécial. Et salut Sci-Fi. Il est presque temps que je te confie mon bouclier. Je suis plus qu'un fantôme inutile maintenant. Alors il risque plus trop de me servir. Il est à toi.
Eh oui, en coffret demi, à part le fait que ce soit une expression... Mon expression... Il y aura un demi, ce serait peut-être un coffre que j'ai trouvé. Donc j'ai décidé de laisser sur place parce que ça me faisait chier de faire de la place pour récupérer une arme un peu nulle. Ouais, c'est... j'imagine... Je marche à tes côtés. Dorénavant, je serai toujours là pour te protéger, c'est promis. Oh, ouais. Il disait quoi? Ouais, allez, certainement, j'imagine. Allez, ta gueule. Un des... Mais oui, je sais. Il a pas arrêté de me le répéter au début. Sûrement un des plus utiles, j'imagine, avec le truc de résurrection. Révali, en fait, c'est surtout celui des Gerudo, j'en ai pas grand-chose à foutre. Allez. Ennemi, c'est la bière qui parle. C'est possible. Millilitres. Waouh. C'est fluide. Mais ouais, lui, quand il parle, ça fait naturel. Même avec... le fait qu'à la base, ça soit pas écrit de manière extrêmement naturelle. Je trouve ce doubleur meilleur que celui de Mipha, en tout cas. Petit maison téléphone. Bien. Ça devrait aller. On est prêt à dégommer Ganon dès que l'occasion se présente. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre le petit gars. Dès qu'il engage le combat contre ce satané Ganon, toi, Rudania, tu lâches la sauce. Alors voilà ce qu'est devenu Hyrule. Je suis vraiment pas déçu. Le village a l'air d'être prospère. Quant à mes gorons, je me il a des tétons. S'en sont sortis. J'espère seulement que tout le monde va bien. On est sauvé. Petit œuf. Y a pas à dire. Je suis vraiment pas déçu. Non mais on avait regardé sur d'autres gorons, ils avaient pas de tétons quoi. Lui il en a. Ils sont discrets. Plus discret que dans Twilight Princess, mais il en a. Regarde les siens, ils sont ultra discrets. Enfin là, il y a une luminosité chelou, mais... Bière de Korogu fermentée au feu de Goron, brassée par les piafs, mis en bouteille par les Gerudo et rafraîchie par les auras. J'aime l'idée. La bière d'Hyrule parfaite. Et puis du coup, les Iliens, là-dedans tout ça, bah c'est eux qui les boivent en exploitant les autres races. Maintenez ZL. Enfoncez pour l'activer. Donc, ça s'active de toute façon si on est en train de viser un ennemi, quoi. Cool. Ah bah, c'est ça de skipper le leg day. Bon, chouette, ça s'est fait. Ce que je vous propose de faire, c'est une mini-pause, le temps de... C'est ça, fuis. Fuis ! Faire une mini-pause, le temps d'aller, je suppose, chercher un truc à boire, aller pisser. La pause, c'est pour tout le monde. Et puis après, on va faire quelques-unes des quêtes du DLC, hein ? On pourra faire ça. Non, t'inquiète, là ça va, j'arrive à...
ça me prend plus 2 minutes pour pouvoir me déplacer de ma chaise. Vraiment, par rapport à hier soir, c'est magique. Ça me fait toujours mal, hein. J'ai toujours pas envie de me faire pousser par des gens ou quelque chose, mais ça va. Donc bon, je vous retrouve d'ici 2-3 minutes, et en attendant, ben, vous aussi allez vous chercher un thé, une bière, un truc à bouffer, ou simplement aller pisser, ou attendre en regardant ce magnifique BRB. Moi, je reviens tout de suite. Pisse dans une bouteille. Non, quand même pas. J'en suis pas encore à ce point-là. Y de Pardieu. Quand je vous parlais de Goron. Et de tétons de Goron. Ça c'est quand même quelque chose, non, par rapport à ceux d'ici. On va en trouver un. C'est normal qu'il y ait toujours l'autre, hein. Il a seulement 18 ans, pervertis-le pas tout de suite. Erreur d'ailleurs. Mais ouais, c'est des totons. Des tétons de Goron, on va appeler ça des totons. De compète quand même. Thank you.
Voilà, celui-là, il fera parfaitement l'affaire. Ouais, alors si tu pouvais ne pas autant bugger, s'il te plaît. Fais en sorte de bien marcher. Putain, il aime pas la longue vue. Ouh, il aime. Ouh, ouh, non, ça, je voulais pas le voir. Non. Voilà, bon. On va faire plus simple, voilà. Il y a quand même une sacrée différence, hein, en quelques générations. Ouais, la longue vue, des fois, il aime vraiment pas, hein. Mais voilà. Ah, mais mon PC, il aime pas, hein. Quand je suis en train de jouer à ce jeu en même temps, il aime vraiment pas. Mais bon. Un appareil photo, ouais, ça irait mieux, je pense. Ouais, d'ailleurs, faisons un... Non, là, il aime pas de base, en fait. Ouh, ouh, là. Mais ouais, c'est clairement moins pire. Est-ce que c'est juste... Non, je voulais pas appuyer là-dessus. Ok, là, OBS a bugué. Ah! Oh, ah, ah. On est de nouveau là? On est de nouveau là? Je lançais. Ok. On attend que ça se stabilise. Ça m'a l'air d'être de nouveau bon. Bonne nuit Coco, merci beaucoup d'être venu. T'inquiète, c'est pas grave. Juste attendre que ça se stabilise un peu. Là, le PC, il y a quelque chose qu'il a vraiment pas aimé. Fermer les trucs dont j'ai pas besoin du tout. Tout va bien se passer. Ok, maintenant on relance. Ça c'est en attendant. Parce que ouais, il a vraiment eu du mal là tout d'un coup. Il doit peut-être faire un peu trop chaud, vas-y. Load tes trucs. Tout va très très bien se passer. C'est temps. Il a un peu de mal. Faudrait que je fasse un gros nettoyage du PC. À l'intérieur, j'entends. Et ouais, ce machin là, c'était le ben les shaders. Ça permet à l'ému de pas avoir à tout loader en même temps. Ce qui est très pratique. Ça évite d'avoir des énormes lags. Et puis les quelques fois où il y a des lags dedans, c'est qu'il est en train d'en charger des nouveaux et puis il les garde en mémoire pour la prochaine fois qu'on le lance. C'est hyper, hyper pratique. Vraiment, vraiment bien foutu. Voilà, alors on va juste se barrer d'ici parce qu'apparemment c'est une zone que le jeu aime pas trop. On va bêtement aller... Ouais, ici, dans un endroit quelconque. Il y a juste un sanctuaire dont j'aimerais m'occuper. Sinon, il est bon le stream là ou... Ouais, ça a l'air.
Ok. C'est bon. Non, passe-moi de mon côté, ben derrière j'ai mon stream qui tourne, comme ça je peux avoir un retour plus ou moins direct, quoi. Et puis, il s'était stoppé à un moment. Donc, maintenant ce que j'avais envie de faire, donc c'était un certain sanctuaire ici. Oula, ici. Attends, je suis où? Je suis là? Oh, je suis pas loin. Je pense que ça fait un moment que j'ai ce machin qui brille, j'aimerais quand même m'en occuper une fois. Un goût d'Y et de Kurulin, pas! Kurulin! Non, évidemment, j'ai pas mon cheval, hein. Ça aurait pu. Qu'est-ce que j'utilise comme machin électronique que j'ai fabriqué ici? Pas ma manette. Ah, mon splitter pour casque. Pour pouvoir brancher deux casques sur ma carte son. Le seul truc custom-made que j'ai... Que je suis en train d'utiliser. Voilà, un truc plein de sludge. Parfait. Je peux remettre une autre armure. Très bien vu, ouais. Faudrait que je fasse des améliorations aussi. Et des pantalons. Ouais, ça c'est aussi ce que j'aurais à faire maintenant, plus ou moins. C'est ma tenue de tous les jours. Tenue du héros pour voir les points de vie, il me semble que c'est grâce à ça. Les pantalons les moins pires que j'ai. Et le truc de grimpe. Dès lors que j'aurai quelque chose de meilleur. Quoi? Il y avait un méchant. Mais il faudra que je fasse des améliorations. Gentiment. Alors j'ai jamais essayé, mais j'imagine qu'il faudrait éviter de lécher des PC ouverts. Pendant qu'ils sont branchés. Et pour les laptops, avoir drainé la batterie. Ouais, bon, pour l'instant, les fées, j'en ai vu seulement une. Bah, la première, celle qui est à côté de... je sais plus trop quel village... Ouais, bah, Cocorico, je crois. Please! Ah, 220 volts, pas mal. Dans mon... Je m'étais fabriqué un ampli à lampe pour la guitare. Une sorte de copie de... Enfin, clone de Marshall. Quel modèle? 2204. Donc, JCM 800. Puis ces machins, c'est à haute tension. J'ai 500 volts qui tournent dedans. Les quelques fois où j'ai dû l'ouvrir après avoir fait des tests et que je voyais que ça marchait pas bien. Ouais, j'ai dû drainer les condensateurs, parce que sinon j'aurais pu me choper 500 volts courant direct. Je suis toujours là. C'est bon. J'ai appris à drainer des condensateurs. C'est tout con en fait, c'est juste qu'il faut le savoir pour ne pas mourir. Va bien. Non, à Marshall. Non, en plus maintenant il va trop bien. En temps j'avais très mal foutu le bias.
Donc tout d'un coup, bam, il a fait un énorme flash, plus de son. Putain, ça c'est des transfos. Ouais non, moi je bats à la base. Avec mes amplis, c'est le 220 pour entrer. Et ça tourne... Ouais, après ça envoie du 500 quoi. Bouclier d'eau. Bon. Non, des amplis, c'est dangereux, mais apparemment pas autant que ce que toi t'utilises en même temps. Quoi, c'est toi qui disais que tu t'occupais de trucs avec des hélicoptères, c'est juste? Je pense que ça doit un petit peu plus drainer qu'en amplificateur de guitare. Oh wow. Et ouais, ça doit un petit peu plus drainer des hélicoptères qu'en... Voilà. Qu'en bête amplificateur à lampe. Par contre, putain, quel résultat. J'ai rarement entendu en son... C'est con, hein, mais... Wouhou, tout juste. Rarement entendu en son de guitare aussi bon que ce qui sort de ce machin. D'accord. Mais ouais, je crois que le seul... La seule fois où j'ai entendu en vrai, donc en meilleur son que ce qui sort de cet ampli, c'est ce qui sortait dans Fender. C'était pas en Bassman, c'était en Deluxe Reverb. Au magasin de musique où je bossais un temps. Mon patron qui m'a laissé l'essayer à fond. Et c'était un de ces amplis qui... Enfin, c'était pas en master... master volume. Donc si tu voulais du gain et de la distorsion, enfin de l'overdrive, fallait monter le volume. Il était quasiment à fond. Et la vache, quel son! Pour les intéressés qui seront encore là à la fin du stream, je disais déjà avant à Melon, mais j'ai trouvé une certaine playlist sur YouTube contenant beaucoup d'épisodes des aventures de Mario. Donc le Mario Bros Super Show, Mario Bros 3 et puis Super Mario World en français. Donc petite soirée cinéma, Tingle Vision, pour ceux qui s'intéressent. Bon, alors ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on fait Tingle? Allez, on part de là, et on va se faire le stuff de Tingle. C'est pas grave, image. Au pire, j'y reviendrai, mais... Je compte vraiment pas faire le jeu à 100%, ça m'intéresse pas plus que ça. J'aimerais avoir un maximum de trucs de Korogu, un maximum de sanctuaires. Mais prendre tous les coffres et les trucs comme ça, c'est vraiment pas mon... Mon kiff, disons.
reste encore un. Non, ok, j'avais marqué à côté en fait. Hop. Voilà. Je crois que Melon avait aussi dit qu'il comptait peut-être streamer du Breath of the Wild aujourd'hui. Après, je sais pas du tout à quelle heure il compte faire ça. J'imagine qu'il veut potentiellement faire ça le soir. Ah bah voilà, le voilà. Ah ah ah. Comment tu vas, Melon? Je disais, tu m'avais... Enfin, tu nous disais que... M'occuper de ces saletés. Panoramix! Ah, on me voit jamais en train de marcher! J'avais pas remarqué suivre jusqu'ici. J'avais tenté, mais écoute, j'avais pas le DLC. Mais ouais, tu comptais streamer du Breath of the Wild aujourd'hui? Il me semble que tu nous disais ça hier. En première page. Rappel des emplacements des coffres contenant les 8 trésors dérobés au château d'Hyrule par Lambda. L'ancien masque maudit repose dans les ruines. Se réunissaient les soldats et où l'on peut voir... et d'où l'on peut voir le lac de Komolo. Après souper. Dans une 2 heures. Ah. On va peut-être regarder en bout. Faudra voir quand je termine le stream et puis après on vous laisse faire une... petite tingle vision avec du Mario. Mais si je suis encore debout et puis que je fais rien d'autre, moi je viendrai volontiers regarder. La verte vêture de l'homme qui voulait être une fée... ouais, qui voulait être une fée se niche au creux des ruines de la plaine d'Hyrule. C'est ça que je veux. Dans les ruines où fleurissait le commerce, d'accord. Dans celles où croupissaient les mauvaises gens. Dans celles... où se rassemblait la foule au village bordé des prairies. Pour l'instant, c'est bon. Alors. Je. Non, ça va pas le faire. Oust! Ça va péter ta tête, toi, non? Donc ouais, peut-être plus tard dans la Tingle Vision du Mario. Alors dans les ruines d'Hyrule, ça doit être dans le coin, j'imagine, donc plaine. Bon là, il y a le château pour l'instant, j'ai pas envie d'essayer d'y aller. C'est une carrière, c'est une citadelle. J'aimerais tellement voir ça en... pas détruit. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Ruine du ranch? Faudrait que j'aille voir ça. Alors. Mais bon, j'imagine que de toute façon, il va falloir que j'aille vers le nord. Plein de ressources. Ruine de l'étape d'Hyrule. Je pense pas qu'il nous mettrait en bout de Tingle ici quand même. Ce serait vachement chouette. C'est vrai que j'ai des bombes, mais j'ai aussi des armes. J'ai beaucoup d'armes. Donc, j'ai tendance à oublier, surtout, en fait, que j'ai des bombes à l'infini. Ça me fait vraiment, vraiment très bizarre. Puis... Ouais.
J'ai pas le... Des très très vieilles pommes et des vieux glands. Tu vois, c'est long, etc. Alors que je pourrais simplement utiliser mes armes lourdes que d'habitude j'utilise jamais. Parce que je préfère les lances. Et éventuellement les épées. Et ouais, des trucs que j'aimerais bien, c'est... Niveau du DLC, donc. Quelque chose d'un peu plus... vivant, dans le sens où les trucs sont moins cassés. Où t'aurais vraiment une putain de citadelle, etc. Termina. Enfin, ce serait quand même grave la classe. Un poney. Mais après avoir pété la gueule à Ganon, qu'il faut reconstruire Castle Town, ce serait assez sympa. Nous a sauvé, tiens, c'est pas grand chose, mais je te donne de bon cœur. Oh oui! Oh, de la bouffe. Non, mais on devrait vraiment pas traîner par ici. Tu veux me donner de la bouffe aussi, toi? La sortie, on dirait, je crois qu'on a eu de la chance. Voilà, tu vas crever comme ton pote. Alors, faut toujours que je regarde des pseudo-ruines, moi. Ça, sans quelconque nom. Il y a des fissures, mais je pense pas que c'est des fissures de « tu peux poser une bombe ici ». Coffre, mais c'est sûrement pas un coffre de... Ouais, ouais. Il va voir si j'ai pas de place dans ma sacoche pour un... truc aussi pété que ça. Non, mais... Voilà. Nice. Bien vu, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'être dans un des endroits. Il y a un des endroits, je vois exactement où c'est. Enfin, pas exactement, mais... Je vois exactement plus ou moins où c'est. Non, j'ai complètement oublié ce que ça disait. Au pire, j'irai relire. À moins que ce soit marqué là... Une où fleurissait le commerce, ouais, ça c'est ce que je suis en train de chercher maintenant. Croupissait les mauvaises gens, ça je vois exactement où c'est. Dans celle où se rassemblait la foule au village bordé de prairies. Jusqu'à ce que j'en ai marre et que je demande en fait, je pense. Mais j'ai l'impression d'aller devoir, enfin de devoir aller beaucoup plus... Aller devoir, qu'est-ce que je raconte? Devoir aller beaucoup plus vers le centre. Hein. Alors...
Ah, j'avais pas lu, Bravel. T'as re-regardé Astérix et les Vikings. Déjà, comment oses-tu regarder du dé Astérix sans nous? Et ensuite, joli. Vraiment fort, j'ai bien cru que mon heure était venue. Veuillez accepter ce modeste remerciement. Mais c'est bien! J'aime beaucoup admirer les rivières. Oui, en flanc impromptu, ininterrompu. On a du mal à croire que le grand fléau a frappé autrefois. J'aurais pas dû me laisser aller à la rêverie. Avant que je m'en rende compte, j'avais été attaqué. Je vais rentrer au relais à présent. Ouais. J'aime bien quand les gens random comme ça me donnent de la bouffe. Ouais, on l'a regardé hier soir en fait sur le Discord. On a mis en place un truc. D'ailleurs, ouais, si tu veux venir sur le Discord avec nous, y a le lien en dessous de la chaîne. Puis ouais, hier soir, on a essayé de se faire une soirée cinéma. On a vu que ça marchait bien. Je crois que là, y a de la fumée. Qu'est-ce que c'est ? Oui, on a regardé les 12 travaux et Astérix en Égypte. On passe un bon moment. Tu me donnes la bouffe aussi. J'ai ça. Pas souvent qu'on voit des gens par ici. Qui es-tu? Ouais, comme tu peux le voir, je suis une aventurière, comme on en croise un peu partout. Qu'on peut fréquenter comme celui-ci sont dangereux et sont infestés de monstres. En contrepartie, on y trouve souvent des trésors abandonnés. J'aime bien me tenir sur des points en hauteur, comme ici, pour repérer les zones intéressantes. Toi aussi, tu devrais jeter un coup d'œil puis ce rocher là-bas. Sauf que tu verras des coins prometteurs à explorer. Ouais. Oups. Mais j'y aurais jamais pensé, en fait. À regarder spécialement des Astérix, mais bon, en cherchant un film complet sur YouTube, c'est dans les premiers trucs que tu trouves. Bon, il va sûrement y avoir une pétée de gardien. Et ouais, Astérix, c'est cool, c'est marrant, c'est pas non plus des films de 2h30. Puis c'est vieux avec des vieux doublages, comme j'aime bien. Et on peut causer en même temps en faisant des commentaires, c'est ça qui est beau. Il faudra quand même que je retrouve des... relativement bonnes armes, hein. Non, là, vraiment, c'était les vieux dessins animés qui datent de quoi? 67, 68? Yes! Champion du monde! Oh, ce loot. Tout ce loot.
Ah ouais, c'est vieux dessin animé Astérix, c'est vraiment super bien passé. Puis il y en a encore une pétée qu'on n'a pas regardée. On va pouvoir se faire des bonnes soirées en Tingle Vision. Fleur Armand. Non, allez, viens te battre, toi. Trop tard. D'accord. Bah, oh putain, il y en a un deuxième. J'avais pas fait gaffe. Putain de bordel de chiottes. Au début, je m'étais dit que le deuxième laser, en fait, c'était pour montrer que le premier allait réfléchir ou quelque chose comme ça. Oh, lourde erreur. Oh, puis ça, c'est le premier que je m'étais fait. Oh. Donc, toujours, je fais ce machin pour pouvoir courir légèrement plus vite. Ouais. Eh. Allez, on reprend le timing. Un peu tôt, apparemment. Bah, il était où le problème ici? Voilà, celui-là était parfait. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aller là-bas, quoi, tout droit. Et le deuxième, il était où? Ah, c'est ce machin là-bas qui bouge pas, j'imagine. Ah non, c'en est un autre qui se balade. D'accord. Quand est-ce que je fais un autre? Ouh là 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 là, quand est-ce que je fais un autre stream de Zelda? Normalement, je... Putain de bordel du... Normalement, je fais quasiment tous les jours, mais bon, demain soir, j'ai la répète avec mon groupe et après, on boit des coups. Donc, ça risque d'être samedi. Mais bon dodo à toi, et puis à tout bientôt, quoi. J'ai tenté de venir depuis ailleurs. Donc ouais, normalement samedi, je commence en général mes streams entre 20h30 et 21h, heure locale. Et du coup, bon dodo. Ça me dit pas là. Oh. Du coup, j'annule. Non. Alors, du coup, pas de stream. Quand même pas. Encore une fois, si vous voulez rattraper des streams que vous auriez pas vus. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai fait avec mon dernier. Je mets quasiment tous mes streams. Les rediffusions. Bah, déjà, pendant un moment, vous pouvez les revoir sur.
sur Twitch, puis sinon, je les upload sur YouTube. Il y a encore une fois tous les liens dont vous avez besoin sous la chaîne. En Espagne la journée. Ah ouais, ok, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour pouvoir regarder en stream jusqu'à minuit. Le jour même. Bon, quoique... d'avoir la motivation. Et ne pas vouloir dormir. C'est lequel ? C'est sûr. Bon, ok, j'étais persuadé que c'était juste le bon moment, tant pis. Et... Ça irait aussi. On peut le faire après? Bon, pas avec cette arme apparemment. Mais merci pour le... pour l'idée image. Putain, mais y'en a une ces quantités. Ça, y'en a encore un mobile ici, y'en a un immobile là-bas. Vise-le, vise-le, vise-le. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. J'y vois que dalle. Là. Non, puis là il y a le blob qui vient faire chier. Voilà, parfait. Arrête de te prendre des arbres. Non mais, c'est pas vrai. Link, ah. Tout juste. Allez. Voilà. C'est vraiment en rythme à prendre, c'est très... très spécial. Au début on en chie une chier, après un petit peu moins. Et puis après ça va vraiment bien. Là pour l'instant j'en suis au... un petit peu moins. Bon toi. Encore un peu loin. Le truc que je me demande, c'est est-ce que on se prend les explosions si on va dedans pendant que eux ils sont en train d'exploser après les avoir butés. J'ai l'impression que non, mais jusqu'à maintenant j'ai toujours préféré éviter de prendre le risque. Waouh. Non, tu prends pas l'explosion. Ouais, ok, j'appuie sur B pour pouvoir utiliser mon truc, mais c'est pas grave. Lui, il est tout ce qui est plus vivant. Mais Link, vraiment, s'il te plaît. Non, mais il doit y avoir un truc ici, je veux dire, c'est la place, là, c'est...
Ouais, alors, bon. Link. Tu fais quoi? Il est trop nul. Non, j'ai plus de trucs de gardien. Bon. C'est quoi ce dégât de merde que t'as fait? Mais fais-toi plus mal! Eh ouais, je suis sûr qu'il y en a un dans la fontaine ici. Voilà, ça c'est du vrai dégât. Fais la même. Là, je dois faire un peu trop tard. Ok. Le devoir là, comme c'est du sludge, y a pas. Voilà. Boum. Je veux dire appui, mais il y a juste moins. Vite, Link. Ouais, mange ça. Délicieux bout de viande. Celui-là, il est très clairement vivant. Oh. Allez, le rythme. Ah, trop tard. Nouveau un peu tard, j'ai l'impression. Putain, je me la joue vraiment un peu trop tout juste là. Ouais. Ouais. T'as raison, vraiment aucun dégât, c'est incroyable. Donc ici il doit bien y avoir un. Pas ça. Ici il doit y avoir un coffre. Je veux dire, c'est la place. Quelque chose, non? Là-dedans. Non. Peut-être déplacer quelque chose. Dans celle, voilà, dans celle où se rassemblait la foule au village bordé de prairies. Pour moi, ça doit être dans le coin. Carrément l'entrée du château, on va pas aller vers là-bas. Pas du tout. Ça me paraît essentiel que ce soit par là.
Sauterelle. Voilà, c'est ici qu'on termine les vieilles armes. Wow. Bon, fuck it, je vais déjà aller à l'endroit où je sais, où je suis sûr. Je reconnais pas l'endroit où je dois aller, il me semble que c'est par là. Je sens que c'est à l'ouest, sur une pseudo-île. Non, j'ai clairement pas encore la Master Sword, je crois même pas avoir suffisamment de cœur pour ça. Évidemment, je le ferai avant Ganon. Mais, il y a encore un bon moment avant ça. C'est la première fois que ça arrive, ça. Allez. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui sont à fond dans le jeu, il sort quand? Je vais pas du tout. Il sort quand le prochain DLC? Voilà, j'ai fait le tour pour rien. Maintenant, on va pouvoir y aller. Ça, c'est bien calculé. Yay! Radical! J'essaie d'aller vers cette ruine là-bas. Radical! Radical! Oui! Radical! Oh,
charge, vas-y, charge. C'est normal qu'il fasse ça, c'est normal qu'il soit arrêté, ne vous inquiétez pas. Radical ! Oh, il est pas assez radical. Alors, bon app, Melon. C'est pas du tout là que je dois aller, par contre il me semble qu'ici il est censé y avoir un souvenir, non ? Eh ouais, mais un souvenir radical ! Oh Link, tu es tellement fort en snowboard ! Eh ouais bébé, ouais ! Je sais même pas si je vais le récupérer, mais ouais je pourrais. On peut en avoir jusqu'à combien déjà des chevaux ? Oh ça va, ouais on va pouvoir garder Radical. Tu as raison pour mon cheval. Avec de la patience et de la douceur, tout va beaucoup mieux. Oui. Nous arrivons à nous comprendre désormais. Nous allons finir par devenir de vrais amis, lui et moi. Comme il est docile à présent. Moi qui étais si sûre qu'il n'accepterait jamais le harnachement royal. Je m'étais bien trompée. Regarde, il s'y est habitué, non? Comme quoi, quand on se met un peu à la place des autres, ça change vraiment tout. Faut être radical. C'est la montagne de l'Anel là-bas. Elle tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Nehiru. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. C'est l'âge de la sagesse auquel chacun peut fouler les terres de la déesse sans l'offenser. Snowboard. La source de la force, bah. La source du courage, aucune des deux n'a pu éveiller mon pouvoir. La source du cool. Mais peut-être... Peut-être que si je vais là-bas, à la source de la sagesse, cette fois... Snowboard. Salut Greg. J'ai peut-être des idées, mais ça ne fait rien. Tant qu'il restera une chance, si infime soit-elle, je dois y croire jusqu'au bout. Le croire ? La force radicale ! Tu dois réussir le tournoi de snowboard ! J'aurai 17 ans. Ouh ! Madame. Un peu jeune quand même. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. Au tournoi de snowboard pour faire les tricks les plus cinglés, les plus radicaux ! Oh, Zelda. Bébé. Oh ouais. Bon. Le cheval que j'ai violenté et que j'ai obligé à se soumettre à ma volonté, il est où? Il est là, voilà. Voilà. Allez, viens. C'est ça, radical! Allez. Et voilà. Radical, t'es pas très radical, vas-y. Fais des trucs radicaux. Désingle le bouc, ça c'est radical. Saute! Non. T'es moins radical. Soumets-toi à ma volonté. Et ensemble, nous réussirons ce tournoi de snowboard en faisant les tricks les plus cools et les plus radicaux. Mais vraiment, quoi. Que les chevaux lootent pas de bouffe. Honnêtement, je m'en fous, le cheval, c'est... Dire ouais, c'est cool, c'est de la viande, puis ça se mange, mais en général, ça, c'est tellement cher, c'est ridicule. Aussi, le chemin, il est là-haut. C'est pour ça que j'en mange jamais du cheval. Non pas parce que ça me dérange d'en manger ou quoi que ce soit, mais juste parce que c'est beaucoup trop cher, c'est ridiculement cher le cheval. Pour les cochons lootent du cervelas, c'est exactement ça. Tu sais, certes, tu peux manger des ribs, des trucs comme ça, c'est cool, du bacon. Mais après, avec les abats, hop, dans un mixeur, puis tu fais du cervelas, puis tout va bien.
Hey ! Pas très radical, ça. Putain, mais il m'obéit pas. Il est pas assez radical. Non, mais il est nul. Il est nul, ce cheval. Oh là là. Voilà. Maintenant que t'as fini de glitcher, tout va bien. Oh ouais, le pâté, c'est excellent. Hop. Non, mais cette pente, ça me donne envie de la surfer. Faire des cool tricks radicaux. Plutôt que de... merde. Ok, c'était pas par là. Oh, mais y a pas d'endroit radical. Ok, on va pas pouvoir y aller comme ça. Faudrait faire le tour par un endroit bizarre que je vais pas faire. Bon, ben, radical. On se reverra peut-être. Ah si, ok. C'est juste que le pont avait pas apparu avant. Non, c'est tout bon. Non, t'imagines. Pour faire surfer un cheval, il faut faire un mode comme ça. J'ai vu un bonhomme qui se baladait là. Ben oui, sauvegarde. Fais des choses. Non, 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 tu vas où? T'es nul! Putain, il est nul. C'est radical quand même, mais il est nul. Vas-y. Ah, d'accord. Ouais. Ça, c'est le problème quand on se balade en cheval. C'est que les props comme ça, ils apparaissent beaucoup trop tard. Non, celui-là. Non, celui-là. Parle au bon. Non, mais c'est pas vrai! Lunk! Et vise le bon maintenant. Voilà. Ouais, vas-y. Non, mais Perceval, il. Enfin, je vois mal ce cheval jouer au Slooby, tu vois. Allez, il est nul. Bah oui, bah Ruby. Allez. Tu lui donnes un nom. Il va simplement être radical, je crois. Non. Ah, peut-être. Radical! Ouh, on l'appelle radical, mais oui! Voilà, il est enregistré, il va partir avec. On le laisse ici. C'est bon. Voilà, fuck you. Mais le radical, lui aussi, oui. Viande. Mange. Vas-y, je te pousse, mange. Mange le truc. Mange la viande, vas-y. Il faut plus. Tu veux plus? Non. C'est pas pour toi, Oust. Va-t'en. Non, pas pour toi. Casse-toi. Non, 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 Oust. Toi, avec ta tête de banane, tu fous le camp. Voilà. C'est mon chien, Oust. T'es pas assez radical pour ce chien. Vas-y, donne-moi des trucs maintenant. Tout. Bon. Non, il me suit. Plus ou moins.
Mou, il est adorable, ouais. Bon, à la base, je voulais prendre ces trucs de Tingle, et puis je me suis laissé... avoir. Alors, ruine du parc, c'est pas du tout ça que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était aller... Mais en endroit, il doit y avoir dans le coin. Ou alors, c'est par là. Ah, celle-là. Ouais, c'est ici que je dois aller. Y le chien. Bah oui. Écoute, au point où on en est. Au moins, lui, il a pas de problème de dos. D'ailleurs, ça fait un moment que je sens plus mon dos. Je sais pas dans quelle mesure, c'est une bonne nouvelle. Mais on va pas se plaindre trop fort. Alors, full est. C'est parti! Bon, il me suit pas vraiment le chien, mais... On a pu le nourrir, puis il était adorable, il le méritait. Il le méritait. Ouais. Tant pis pour le sanctuaire, hein, on y reviendra. Oh. Vas-y, charge. Voilà. Faites des choses. Bon, tant pis pour eux. Voilà. Mati. Ouais, pour un chien, lui donner un surnom par rapport à son vrai nom, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur, je crois, hein. Par rapport à ce que le chien comprenne qu'on s'adresse à lui. Ou elle. Faut surtout que ça rime avec, et puis il me semble... Mais arrête de charger comme ça, quoi, c'est ridicule. Faut surtout que... Ouais, que ça rime, et puis si possible que ce soit en deux syllabes, je crois. D'après ce que j'avais entendu. Ah. Ouais, mais j'ai pas ça. Ouais, faudra que je fasse un coup de vent, mais j'ai pas. Je peux voir très facilement, en fait. Chargement. Ouais. Malin. Ouais. Ouais. Oula. Il avait encore pas chargé les shaders de ce truc. Ça je pense c'est un peu gros, ouais. Ah, pas mal. Ouais, ça c'est aussi un bon plan quand même. Y'a pas un de ces arbres qui peut me donner une feuille. Ah voilà. Faire alors.
pas fait apparaître des sacs dans le ciel. Peut-être qu'il a du mal à les faire apparaître. Ah, ok, putain, c'est machin au loin. Oh, waouh. Ok, ça s'en est pas, hein. Pas tout à fait. Oh. Non. Pas tout à fait dessus. Non. Peut-être là un peu mieux. Non. Ouh. Pure bol. Pure bol, no skill. Mais une noix quand même. Yahaha, toi mon ami. Quoi que tu sois. Je vais trouver ce morceau de Tingle. Dans une des ruines sur cette île. Cette fois, je suis sûr que c'est ici. Moi, oui, en sanctuaire, si tu veux. Ah, Talus. J'adore cette musique, encore une fois. Bon. J'essaye autrement. Non, mais il veut pas si je fais comme ça. Bon, oh, mais arrête, j'étais beaucoup plus loin. Là, ils appellent ça Little Rock. Intéressant. Pas mal, ça me file des... des ressources, c'est excellent. Mais ouais, cette musique, elle est hyper bien, quoi. Par contre, là, j'ai plus des masses, là. Ouais. Très pratique, ça. Non, mais tu caches ton truc, là. C'est pas drôle. Grosse bait. Voilà. Et en plus, maintenant, j'ai plein de place pour pouvoir prendre. Mmh. Oh, j'aime bien quand il y a autant de trucs comme ça. Plein de place pour des nouvelles armes. Voilà, exactement, c'est du fric. Du fric en devenir, mais du fric quand même. Ok, j'ai vraiment plus des masses d'armes. Non, descends. Bouclier bientôt brisé. Je me souviens plus, il me semble que des armes on peut pas en acheter, hein. Faut vraiment absolument les trouver. Mmh, 40x géant, waouh! Le morceau ferreur, ça doit être dans le coin.
Là, il y a un autre Korogu. Je crois pas que j'ai de bouclier rouillé à mettre dedans. Ah si. Qu'est-ce que je fais? Non. Allez. Et ouais. Alors... Je sais qu'il doit y avoir un coffre dans le coin. Ah. IX. Serait-ce pour extension? Ici c'est fait. Cette fontaine là, ça me dit quelque chose. Il doit y avoir un autre bout de tingle ici. Hey Roy. Disait la fontaine par là. Ouf. Pas exclusivement, mais il est quand même pas mal utile, il me semble. Je vais pas le mettre maintenant. Ça te permet quand même de d'aller plus rapidement, non? Quelque chose comme ça. Voilà, du coup, ça pourra être utile. Pittingle, c'est quand même la mascotte du stream. Quand notre Discord s'appelle Team Tingle, pas pour rien. Boum. 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 Branche d'arbre, oh, merci. Williamine. Truc qui est vraiment excellent aussi, qui me semble vient du Valais, c'est le cet alcool de plantes ultra fort dans lequel tu fous des carrés de sucre. Ah non, ici c'est pour un souvenir, d'accord. Un mode de fabrication d'alcool dans le jeu serait trop bien. T'sais. Quand t'achètes ta maison, tu peux avoir un. Comment ça s'appelle pour distiller là? Un alambic. Ouais, j'allais chercher aussi après s'il y a un coffre. Oh,
voyons tout ça. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible. Bonne nuit à toi, Turcum. Reçois la bénédiction de la déesse Ilia. Toi aussi reçois la bénédiction et merci d'être venu regarder le stream. Céleste, par-delà bientôt. Les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule. L'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. Oui, madame. L'âme de pureté. Et salut Araxis. C'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Mais qu'elle n'est. Comment elle regrette, comment elle a pas envie que ce soit lui son chevalier servant. Mais maintenant il est en bandana, donc il est cool. Et radical. Alors moi je veux trouver ce fameux coffre. Oh tiens, un coffre. Voilà, comme ça il est dans un angle extrêmement pratique pour l'ouvrir. Et ouais, c'est pas celui que je voulais, mais c'est du stuff quand même. Y'a pas un autre avec un bout de tingle, non? Le fumeur à viande séchée. Oh oui! Tu peux brasser ta propre bière. Puis tu peux essayer avec différents ingrédients. Ce serait tellement bien. Ruine de la place centrale, j'ai l'impression qu'ici il devrait y avoir quelque chose, c'est là où les gens se retrouvent, une connerie comme ça, non? Ah, ça me paraît très normal qu'ici, il y a une des parties de Tingle. Mais bon, je prends volontiers des indices quant à... Enfin, des indices supplémentaires quant à où... Je devrais chercher ces trucs. Une bière avec des rouages antiques, ça doit sûrement être ultra bon. C'est de la bière brassée avec de l'eau ferrugineuse. Mais bon, moi je vais vite... C'est quoi ce machin là-dessus? Vite regarder ce qu'il y a là-haut. Ensuite, j'irai de nouveau faire une pause pisse. Voilà. Qu'est-ce que c'est que... Mais non, pas descendre. Juste soulever. Voilà. Pour l'instant, j'ai seulement eu... Le corps à la prison. Mais ouais, je vais de nouveau faire une pause pisse. Je reviens d'ici 2 minutes. Donc à tout de suite. Je vois que là, il n'y a pas des masses de musique. Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Je reviens.
cette musique est vraiment tellement bien. Du coup, re... Alors, on me dit lac de Komodo. Et waouh, GG pour le 100% normal, quoi. Alors, lac de Komodo, c'est lequel? Lac Nabi. Il y a rivière de l'au-delà. Aquam Komodo. Komolo. Moi qui en ai un autre, qui en ont très proche, je pars du principe que c'est ça. Pas loin du Varan. Donc ouais, le truc de la prison, je l'ai déjà eu. Et ranch, ok. Merci bien. Komolo, Komolo, pur nord. C'est parti. Mais ouais, c'est parfait. Être un tingle, c'est le... C'est ma vie. Le seul cosplay que j'aimerais bien faire. Quand même pas, mais... Alors, attends, tu dis... encore. Au nord de l'étang de Komolo. Donc c'est même pas à Komolo, c'est au nord de Komolo. Quand même pas dans l'ancienne garnison. Sûrement pas sur l'île, mais j'ai quand même envie d'essayer d'aller voir ce qu'il y a sur l'île. Combattre Ganon en Tingle, ça je pense c'est quand même un peu chaud. Oh tiens, encore en... Talus. Ah bah, de nouveau la bonne musique, quoi. Non, mais j'ai pas... J'ai... Ouais, c'est pas exactement ce que je voulais faire, à la base. J'aurais espéré que ce soit un peu plus... garnison et quelque chose. Non. Non, on peut pas l'avoir d'une façon plus simple. Lance. Voilà. Remelon. Problème de son, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ça devrait pas. Ok, là c'est nul. Quel est ton problème de son, Melon, si tu peux entendre? Ah, ici, ok. En général. Bah, dis toujours, on peut peut-être essayer de diagnostiquer ça. Aussi, malheureusement, j'ai presque envie de lui foutre la paix à celui-là parce que... Presque. Je vais quand même le buter, mais... Carrément pas des armes.
Pas bon, je switch sur le PC. Oh, oh. Ton son, il est censé passer par le HDMI de la console. Ou bien. Ouais, je vais lui foutre la paix à celui-là. En suivant comment, c'est une connerie avec la entre guillemets carte son qui est donnée par le par ton boîtier de capture. Ok, ça en fait j'en avais pas du tout envie. Reçois le son de la Switch, mais l'output part pas vers l'intérieur. Ouh, ça c'est lourd. T'as pas moyen de splitter le son avant que ça arrive. Je peux pas faire ça, je vais mourir d'abord. Donc ouais, moyen de splitter le son avant que ça arrive dans les haut-parleurs. Histoire que t'en envoies aussi hein, dans ta carte son, je sais pas, parallèlement à ton micro. Puis après tu mets un vague délai pour que ce soit synchro avec l'image. Peut-être essayer de brancher les haut-parleurs sur la télé pour voir si c'est pas la télé qui est en problème avec ses haut-parleurs internes. Ouais, à moins que tu arrives à mettre le retour sur le PC. Bon, t'aurais un délai, c'est un peu chiant, mais... Mais bon. Merde, en fait, j'ai toujours pas eu ce truc-là que je voulais. D'ailleurs, je voulais te demander, Malone, parce que là, sur ma web TV, on devrait recevoir bientôt... Enfin, recevoir... avoir un nouveau streamer qui veut streamer de la PS4. Et il faudrait vraiment qu'on puisse passer par le... Non, juste. Faudrait vraiment qu'on puisse passer par le PC, donc ne pas streamer depuis la PS4. Donc il lui faudrait une carte de capture. Qu'est-ce que tu conseillerais pour de la PS4? Si t'as une quelconque idée sur ce genre de choses. Parce que moi perso je m'y connais pas du tout en... El Gato, ok. Toutes les consoles HDMI, nice. Ouais parce qu'il y avait un temps une histoire avec la PS4 qui avait une sorte de... De protection sur son HDMI ou quelque chose comme ça, à moins que ce soit la Xbox One et puis que j'ai oublié. Pas besoin de passer par la télé, ouais. Ah. Alors ça, j'aurais aimé... Bon, moi, avec ma carte de capture qui est complètement à chier, donc, hein, c'est... Ça prend pas le HD, c'est que du cinch. Ah, c'est la Xbox One, d'accord. Ouais, je savais plus exactement ce que c'était, puis j'avais pas envie de faire de conneries. De toute façon, je vais lui dire de faire gaffe à ce qu'il doit choisir. Mais d'accord, s'il a pas trop à s'en faire, ça c'est pas un truc de DLC.
toujours ça. Ouais, ni OBS, ni XSplit. Donc encore une fois, pour des gens qui seraient intéressés à commencer à streamer, je ne peux que... Oh putain, 109 euros. Oh. Ah, ça fait mal quand même, hein. Ouais, ça c'est prestige. Et ça fait quand même mal au porte-monnaie. Et ça vient d'en Suisse. Et c'est la lune de machin. Je suis censé aller au nord de Slack? Y'a rien ici. Juste relire ce que mamie imaginaire. Pour retrouver sa capuche, il faudra se rendre au nord de l'étang de Colombo. Non, la carte, ça ira. Non, mais c'est toujours ça, mais ça me paraît bizarre. Je veux dire, tu l'as déjà essayé avant, cette carte de capture. Lac de Colombo, ils me disent qu'il faut aller où. Donc ouais, j'aurais presque envie de dire que ça vient plus de ta télé qu'autre chose. Je peux essayer d'aller là. Mais ouais, j'essaie de voir éventuellement aussi si t'as d'autres câbles. Ah, est-ce que tout d'un coup ça marche? Voilà. Alors dis-nous, quel était le problème? La lune. Zelda, tais-toi, je m'en fous. Par contre, il y a un gros buzz. Essaye de tout éteindre. Débrancher, rebrancher. Si t'as d'autres câbles, essaye un autre. Ça marche. Ouais, je viens de voir ça. Je me fais violenter par des chauves-souris. Donc c'est ruine là, je pense. Avec encore un goût qui se balade aussi d'ailleurs. Et c'est pas un truc de DLC, mais bon, encore une fois, c'est en coffre. On va pas se plaindre trop fort. Surtout qu'on est des rubis. Sers-toi de marrage quand tu veux. Oui, monsieur. Oui, d'accord, monsieur. On fait ça. Mais c'est le festival des coffres ici. Mais oui, monsieur, merci. D'accord, là-bas il y a un truc. Juste d'abord regarder par là. Une fois que j'ai trouvé mon bonheur. Puis après j'irai vers ce sanctuaire. Jamais dire non à un cadeau. Non, oh, bouclier en bas, je m'en fous. Il va quand même l'air vachement loin pour quelque chose que j'aurais envie de choper maintenant, celui-là.
Tant pis. Ah ah! Ça, ça m'a l'air d'être. Voilà, ce qui fera mon bonheur. Voilà. Nkururin. Bon, ça, j'aimerais bien l'avoir aussi. Reste le pantalon, ouais. Parfait. Et donc pour ça, il va falloir que j'aille vers le ranch. Là-bas. Presque. Voilà. Ah, viens pas m'emmerder, hein. Non, c'est bon, j'utiliserai le truc de Mipha, et puis après, éventuellement, si je me fais blesser pendant que j'ai plus de Mipha, ça... Là, je mangerai quelque chose. Mais en l'occurrence, je m'en fous, je vais pas faire des gros combats, normalement. Surtout que j'ai plus des masses de bouffe déjà préparées. D'accord, ouais, y'a ça, ouais. Et lui sur le chemin, on va manger. Viande grillée parfait. Bon, j'aurais pas dû manger la viande grillée, tant pis. Mais ouais, je voulais conserver mon. Conserver ma bouffe en fait. Boum. Boum. Et un dernier. Voilà. Donne-moi ton stuff! Voilà, on peut retourner vers là-bas. Et donc, c'est censé être les ruines du ranch long, j'imagine. C'est effectivement le cas, ça va me faire un gros coup de nostalgie. Ça va être assez chouette. Ocarina of Time, quand même un de mes jeux préférés. Encore une fois, je le dis, mon préféré, c'est Majora, mais... Ok. Ouais. La tour dans laquelle j'avais découvert le glitch pour entrer dans une caisse, qui sert à rien. Et puis apparemment, c'est répertorié nulle part sur Internet, mais... Il y a un glitch pour entrer dans une caisse à l'intérieur de ce... Enfin, à plusieurs endroits, mais notamment à l'intérieur de cette... Mec, j'étais en train de me remémorer des moments inoubliables. Faut pas chier. Voilà, Daruk, il est d'accord avec moi. Mais le ranch de Ocarina of Time, c'est quand même bien. En parlant de Ocarina of Time... Faut toujours que...
que je stream le Master Quest de la version 3D. Ça viendra. Mais oui, surtout quand il s'agit de se remémorer en souvenir de Ocarina of Time, quoi. Ça marche, Melon. Bon courage avec tes problèmes de son. C'est aller dedans. Pour aller à l'intérieur d'une caisse. Non, on peut pas aller à l'intérieur d'une caisse. Rien du tout. Point, point, point. Point, point, point. Raspberry Pi, t'arrives à le faire tourner dessus ? Utiliserai quelle box? Ou autre chose? Ah, overclocké, ok. Ouais, moi je l'ai de... Enfin, j'ai la version, disons, normale. Pas overclocké. Raspberry Pi 2, donc. Que j'ai foutu dans une borne d'arcade que j'ai fabriquée avec mon... avec le batteur de mon groupe et puis qu'on a mis au... local de répète. D'ailleurs, ces temps, on a eu des problèmes avec. Ils voulaient pas se lancer. Apparemment, ce serait un problème d'alimentation. Parce qu'une fois que je débranche une des manettes, il est d'accord. Donc j'imagine que quand il se lance, il a pas envie de... à partir des 5 volts... devoir en lancer d'autres. C'est quoi ce bruit? Ah! Il y a des fleurs à activer. Le Pi 3, hein? Non, moi j'ai des soucis avec le 2, quoi. Non, oh, c'était pas le bon. Ah! 1, 2, 3. Cassé en à droite de l'écran, ça veut dire que t'as une sous-alimentation. En fait, il met rien. Un petit carré. Non. Ah, sérieux? Parce que moi, c'est ce qui me fait. Il me fait d'office, quoi. Ok, donc c'est. C'est très bon à savoir. Faudrait que j'aie une autre alimentation. Mais bon, je veux dire, une alimentation par USB en 5 volts, t'as. Y'en a pas 35 sortes, quoi. Hop. Moi j'avais l'impression que le petit carré c'était le truc de chargement quand tu le lances. C'est bon à savoir, faudra que je trouve une meilleure alimentation, alors, ou alors que j'essaye de booster un peu. Ce qui devrait être dans mes cordes. Alors, là tu me disais, sous un cadavre de gardien. Faut que je trouve un cadavre de gardien dans le coin. Karina. Ah,
Bon. Booster l'alimentation de 1-2 vols, c'est pas la mort. Après, je ferai pas ça dans le paille, ça c'est sûr. Je crois que ça serait une alimentation comme ça, je contrôle un minimum. Plus au nord-ouest. Nord-ouest. Là, je vois un gardien. Ouais, alors, si le cheval pouvait être... Je vais voir avec celui-là, sinon j'en vois un autre. Pas l'air d'être celui-là. Hein. Par contre, il y a peut-être des trucs voilà, à récupérer. Donc, ce sera dans celui des ruines. Et là-bas, il y en a un vrai d'ailleurs. On va faire un peu gaffe. Machin rouillé, mais des machins pour se battre quand même. En dessous de celui-là, il n'y a pas l'air. Il me semble que j'en avais vu un troisième. Je vais déjà m'occuper de celui-là parce que ce machin au loin, il me fait quand même un peu flipper. Mais ouais, autant celui-là, il est assez rapide à... Un saut là. Merci. Je te protégerai. One shot, ça va bien. Ils sont relativement rapides à foutre en l'air. Autant les linelles dorées, je pense que... Tu peux pas simplement leur renvoyer leur petit rayon de merde. Celui-là que j'avais essayé. Il y a des trucs à... Il y a peut-être des choses à l'intérieur. Oh. Des choses à l'intérieur. 5 bonnes minutes pour le tuer, waouh. Faut la motivation, hein. J'avais essayé celui-là. Non, là-bas encore. Ouais, c'est un peu le principe. Ah, pas l'air d'être lui non plus. Peut-être plus proche des ruines alors. Non. Ouest. T'as réussi, Melon ?
Ah d'accord, j'avais essayé celui-là, mais pas celui-là. Alors, dis-nous tout, Melon. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Ah, c'est pas une cétalée avec des haut-parleurs intégrés. Bien. Bravo. Waouh. Ouais, bien Link. Bon, dans la mesure où à la fin c'est tout bon. À la cité des mouettes. Mais putain, mais j'y étais, j'ai rien trouvé. Je sais pas ce qu'il faut de plus, quoi. Celui-là, je l'ai fait avant. C'est le premier que j'ai fait en arrivant par ici. Celui-là, j'avais fait, mais il me semble qu'il n'y avait rien dedans. Enfin, rien d'intéressant. D'accord, je l'avais pas fait. Mais voilà. Là, il y a un gardien, il me semble que je viens de faire avant. J'ai complètement fait avant. Qui a des pattes? Peu, certes, mais qui a des pattes. Surtout rien en dessous. Et puis non, faut pas le... foutre loin. Y a des choses qui me dépassent. Du dos, ah ça pourra m'aider. Ouais. Ah celui-là. Non, lui il a pas de patte, mais. Ok, c'en était en sans patte. Voilà. Maintenant. Le Kururinpa est complet. On va enfin pouvoir se sentir soi-même. Oh oui! Bon, pas grave. Aucun problème. Tant que le Kururinpa est complet, c'est tout ce qui importe. Voilà. C'est le seul bon moment pour pouvoir mettre celui-là.
Et boum. On a le tingle complet, on a une... un autre truc là, l'armure de Dark Knight là, de Spectre. Il me semble que quand j'avais vu des trucs de Breath of the Wild sur le... sur le stream de Scotty... Oh là 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 là, de Scotty, c'était apparemment une armure d'un... méchant dans Phantom Hourglass. Auquel j'ai pas joué. Mais cool. Cool, cool, cool. Bon, maintenant qu'on a le tingle complet... Masse de Majora, ouais, va falloir faire. Parce que, attends... Il y a encore tout plein de choses. Un drôle de masque... Masse de Korogu, ça faudra le faire. Bon, de toute façon, tout ça faudra le faire. Truc de téléportation, j'ai pas vraiment l'impression que c'est... ce qui me sera le plus utile, mais pourquoi pas. Le masque ancien, l'ancien masque maudit repose dans les ruines où se réunissaient les soldats et où l'on peut voir, d'où l'on peut voir le lac de Komolo. Bah, je crois que c'est... Je vais vite faire ça avant de terminer le stream. Terminer le stream là-dessus, tiens. Ça doit bêtement être là-dedans. Allez. Et sur l'extérieur, ouais, mais dans le coin, quoi. Ouais, vas-y, charge des trucs, voilà. Cool, merci. Le rubis qui vient nulle part, parfait. Et là, faut juste que j'aille dans la garnison. Dès lors que j'aurais fait ces trucs sur le chemin, c'est terrible. Oh! Parfait, juste quand je pète mon arc, c'est nickel. Yahaha! Mais oui, à la voyure, mon ami. Donc. Ok, il y a un gros truc. Moi, ce que je veux, c'est la garnison. On va juste récupérer ce truc et terminer le stream. Du coup, pendant que j'y pense, je le répète. Demain soir, je pourrai pas. Je la répète avec mon groupe et après on va boire des coups. Donc mon prochain stream qui sera 99% sûr sur ce jeu. Ça sera samedi. Yeah no. Link, ouais. Pom. Pom. Oh, ben. Eh ben, dis donc. C'est pas du tout ce que je voulais. Bouclier rouillé, eh ben. Je m'en branle. Eh oui. Toute évidence, pas par là. Non, Link. Non, Link. Link. Pas l'air d'être ça non plus, mais bon. Ah si. Il m'avait l'air un peu clair pour être un... Oh ouais. Oh. Venant de mon jeu favori. Pas du tout inquiétant.
Ah, c'est trop bien. Donc bon, j'ai bientôt terminé le stream. Donc du coup, il est 9h. Donc, si vous voulez continuer à regarder du streaming, apparemment, c'est chez Melon que ça va se passer. D'ailleurs, si tu streams Melon, je vais te host. Et puis, moi, de mon côté, je vais regarder... Bon, de toute façon, je vais regarder en bout de ça, c'est sûr. Puis peut-être au bout d'un moment, sur le Discord. Ouais, ouais, aucun problème, vas-y. De toute façon, moi, je prends 10 minutes pour terminer mon stream, toujours. Déjà sauvegarder un coup. Puis peut-être au bout d'un moment, si je suis encore réveillé, on va pouvoir essayer de se faire ça. Mario. Super Show en Tingle Vision. Oh, encore un goût, mais dis donc. Mais aucun problème, Ravel. Et de rien, merci surtout beaucoup à vous d'être passé. Oh, oh, oh. Oh! 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 Je suis désolé! Oh! Oh! Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux! Mais merci, Daruk, tu veux pas m'aider à. Oh! Allez! Oh, je suis trop crevé pour faire du vocal pendant des streams là. Mais dans tous les cas, bref, encore une fois, merci beaucoup, à tout bientôt. Si tu veux, Melon, mais si tu veux pas de moi, tant pis. Si tu veux, je peux venir un petit moment, mais je me sens presque un peu trop fatigué pour ce genre de truc. Mais écoute, dans tous les cas, à tout bientôt. Maintenant, si vous voulez encore du stream, allez regarder chez Melon, il est vraiment super cool. Et puis sinon, ben, à la prochaine. Je restream samedi 20h30 heure locale, enfin 20h30, 21h. Et à tout bientôt. Allez, ciao. Et merci encore beaucoup.